toi, il devrait y aller, hein. Là, on voit rien du tout. J'aimerais bien voir un peu quelque chose, quoi. Là, on voit pas grand chose hein, à cette distance-là. Après, on reste dans la vallée tout le temps. Passer ce point. On va descendre en dessous de 10 000. Là, c'est le lac qu'on voit ici, c'est celui-là, la Laguna de Inca. De Inca. C'est la Laguna de Inca. On a du mal à prendre des virages courts. Hein. Ben, il y avait une route là. Chemin de fer, ouais, chemin de fer, on voit que dalle. Hein. On était pas loin là. Oui. 300 pieds, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Hein. J'espère que ça va être un peu moins tordu après parce que on va avoir du mal. Non, ça va après. Ça se calme, Rios La Cuevas. On va s'arrêter là. Halt.
Donc c'est pas mal. C'est un peu sec. Bon, bah, effectivement, chemin de fer. Hein. On dirait que c'est une autoroute. Hein. On dirait que c'est une autoroute. Moins 9 degrés, je laisse... Je ne sais pas où on en est. 36. On est au 37. Sur la gauche, yes, on prend sur la gauche, donc a priori, Minotti, 4, Minotti. Alors là, je suis à combien ici? Ça devrait aller largement, largement, largement. Test auto. Les fuel pump, je ne l'ai pas arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il me dit au niveau de checklist? C'est descente. Altimètre, 200 power, d'accord. Donc là, on va partir sur la gauche. Toujours la vallée. On se mettra à 10 000 pieds. Pas tout de suite. Waouh. Oui, à W41. WP41. On descendra à 10 000 pieds. Bon, bon c'est pas mal, mais bon, c'est pas... Ouais, super. Que les autres épisodes. Qu'est-ce qu'il est beau cet avion.
Bien, bien. Bon, les passagers, ça va toujours. De la cordillère là. Alors on va mettre très vite ça. Passer au waypoint 42, c'est ça? Bouge pas là, ta. Bouge pas là, ta. On va regarder si on voit quelque chose de bouge pas là, ta. Là encore 9000, au moins 9000, est-ce que j'y vois quelque chose là? Ah bah c'est un peu plus agricole là déjà. Bouge pas la ta, c'est ça, hein. Bouge pas la ta, bouge pas la ta. Le pic de la croix, le pic de la croix, non, bon, ici, le pic de la
la queue. Oula, j'ai vite, hein. 180, ça va. Ça va. Il va ralentir quand il va se remettre à plat. Bah, il l'avait mis, hein. Donc l'approche VP48, ça fait quoi ça? Ouais, VP48, je chargerai, déclencherai l'approche AirNav. Alors j'ai une approche AirNav. Là, il faudrait mettre le QNH de SAM. Alt. Heureusement qu'il m'avertit, hein. Ça c'est pas mal. Hein. Je voulais descendre, mais bon. Pas mal l'alarme. Les vitesses n'arrivent vraiment pas à saisir. Comment on accélère, comment on ralentit. Parce que là, je suis à plat. Je descends plus. Pas tellement décélérer. VP48, c'est le dernier. Passagers sont toujours aussi contents. Es-tu content? Es-tu toujours content? C'est vraiment dégueulasse, hein, le paysage. Par contre, là, je suis bien dans le sud, c'était bien. Là, c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas un arbre. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que la pape ou pas? C'est dégueulasse. Ça déconne encore ça. Ça passait bien, je comprends pas. À chaque fois ça fait ça, je sais pas.
se remettre mon halte. Si j'arrive à l'attraper. Halte. Halte. Sink rate. Too low. Ah! Il plonge. C'est rigolo, mais c'est pas rigolo du tout. Et pourquoi il va aller là-bas? Ah, pas parce que... Oui, il a raison. Bon, là, ça devrait être bon maintenant. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Et là, il va falloir que... non, c'est activé, il y a notre approche. Quand il descend pas. 4005. Oh là là, 4005, je me magne. PS. On va réduire les gaz pour la descente. Ma checklist, descente, descente power. Donc il faut réduire. On va remettre ça, la mixture. On a dit dans 6000 nautiques, je serais pas. Hein. Parce que j'ai beaucoup à descendre après. 4005, 3009.
150, ouïe, 180 RPM, je suis très haut, effectivement. Très très haut. J'arrive pas à le... On va sortir le train, ça va nous faire ralentir encore. RVS notre édit. RVS notre édit. Je sais pas ce que c'est. Pas terrible, bon pilote auto, hein. Il m'a fait atterrir pas du tout correctement où il fallait. J'ai remis les casses. On va essayer d'atterrir à la main correctement. Hundred.
reverse et frein. Ben, je m'en suis pas mal sorti, mais qui m'est fait casser la gueule juste avant l'arrivée de la piste. Oh. Alors là, elle, c'est bon, ça marche pas. Je vois pas s'il y a une sortie. Il y avait une sortie en bout là, mais je sais pas si on est. On va faire demi-tour. Hein. On va faire demi-tour. Sortie, donc il s'appelle S-A-M-E, je crois, non? Ouais, on a bien vu S-A-M-E, donc on va prendre cette sortie là pour aller à l'apron. Master warning, je sais pas ce qu'il y a eu. En tout cas, les rivers, ça fonctionne très bien. C'est ce que je voulais essayer avec le King Air. Des apprends, on en a partout. Là-bas. Apron, 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 ça va à toute vitesse, toujours. Apron F, apron F, je me fais toujours des frayeurs. Fait surprendre. Il est tombé comme une pierre, évidemment. J'étais trop loin. J'ai toujours peur d'être trop haut et là, en l'occurrence, j'étais trop bas. On va aller à l'apron N. En plus, il y a un hangar qui a l'air ouvert. Je vais rentrer dans le hangar. Ça, c'est rigolo. On sera à l'abri pour la nuit. En principe, il faut suivre les lignes, hein, camarades. Donc là, on est en Argentine. Ma ligne elle va tout droit, mais je vais aller dans celui-là. Ouais, mais il est quand même vachement plus beau celui-là, non? On le voit dans un grand hangar. En principe, on rentre pas dans les hangars. Hein. Et ben voilà, une petite approche, ça a merdé un peu. Aussi, enfin, bref, on coupe le moteur. En tout cas, les revers ça marche bien, hein. Impeccable. Ok, on va couper les avions. Il arrive quand même à se couper après. Hein. Bon, et ben à bientôt pour de nouvelles aventures.